secteur au travail. Mais c'est pas trop fatigant quand même, hein? C'est pas trop fatigant, c'est du Gérard. Non, parce que sympa. Là, elle ne va sur les épaules, c'est pour ça. Oui, voilà. J'attends. Ouais, ouais. De bâti. Ouais. Donc ça me crée une aspiration, ouais, au niveau du manchon. Ouais, ouais. Et là, je peux brancher ma vache. Ouais, ouais. Alors là, il y a des phases de massage et de succion, d'aspiration. Ouais, ouais. Ce qui déclenche la sécrétion du lait. Donc après, en fin de traite, quand le lait commence à venir moins vite et que ça se réduit au niveau de l'indicateur, ouais, ça indique au boîtier et le boîtier, lui, déclenche la fin de traite, la dépose du faisceau. D'accord, oui. Tu ne sais pas si c'est ça que tu veux faire. Hein? Tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas encore. Alors Célestin, as-tu vu les vaches? Hein? Voilà. Et ça se débranche automatiquement. Et ça se débranche tout seul. Voilà. Ouais. Absolument pas parler des vaches, la race des vaches et des... Alors la race des vaches, ben, toutes celles qui sont noires et blanches, oui, c'est des primochtènes. Et toutes celles qui sont marron et blanches, c'est des normandes. Bon, c'est bien. Mais elles sont toutes normandes quand même. Ah bon? Parce qu'elles sont toutes en Normandie. D'accord, elles sont en Normandie, mais... Bon, ben, c'est une histoire de couleurs. Hein. Voilà. Un bidon, hein. Ah oui. C'est pour ça qu'on a débranché et c'est pas bien déclenché. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est du lait pour les petits gos. C'est pour les petits gos. C'est pour les petits gos. T'as vu, Bérénice, le lait, là, dans le bidon, c'est pour les petits gos. Les petits gos, tu vois, on a pas eu le lait. Le lait vient tout doucement. Et voilà. Donc, vous voyez la dernière là-bas, ça y est, c'est parti. Ouais. Regardez la barrière. Regardez la barrière. Regardez la barrière.